Et salut tout le monde! Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20. Et oui, déjà épisode 20, c'est quand même hallucinant, de Kingdom Hearts. Donc je sais pas combien d'épisodes ça va prendre cette série, parce que je n'y ai jamais joué, mais ça me va très bien parce que j'adore vraiment ce jeu de Kingdom Hearts. Et je ferai sûrement, voire je suis sûre à 100% que je vais faire l'épisode, enfin l'épisode, la saison 2, enfin la saison 2, c'est le jeu numéro 2 de Kingdom Hearts 2. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on s'est arrêté juste là, donc oui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On s'était arrêté juste là où c'est qu'on devait poursuivre ce cher... Alors j'ai plus son nom en tête. Alors pendant quelques temps j'ai un peu farmé des XP ici parce que les boss sont quand même assez... ils ont un bon XP on va dire. Donc j'ai un petit peu farmé. Mais il me fait pousser pas dans le ventre 3. Ah. Donc je suis à la recherche de Pinocchio qui a été enlevé par... Ah, j'ai plus son nom en tête. Je suis désolée. Attendez, alors lui, on va lui péter la figure. Alors du coup je sais plus s'il faut que je passe par en haut ou par en bas. Donc on verra bien. Déjà on va passer... Ah bah on va voir dans le ventre 3 déjà. Si on peut passer... Parce que je sais plus du... Ouais, non, il faudrait que je passe par en haut, je pense. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, alors lui... Bon, le gros bouboule, là, on va se le faire. Aïe, aïe. Voilà, vous voyez, vu que j'ai pris énormément d'XP, ça va un peu mieux pour... Ouais, ok, il me barre la route. Ah, mais d'accord, ici, c'est un cul-de-sac. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il faut monter par au-dessus. Bon, vous savez quoi, on va l'éviter. Parce que de toute façon, on va devoir passer par au-dessus. Valet. Donc j'ai pas plus avancé que dans le ventre 3. Hein. Je suis pas allée dans le 4 ou quoi que ce soit. Je vous ai attendu, je voulais pas déclencher des cinématiques. Et que pendant que je fumais pas, donc ça aurait été horrible. Bon, vous me direz, j'aurais pu recommencer la sauvegarde au pire. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je préfère garder le suspense et découvrir tout avec vous. Il est où? Boubole. Alors je sais pas du tout comment ils s'appellent, faudrait que je regarde. Parce qu'ils ont un nom, ils ont tous des noms. Donc par contre je sais pas du tout comment ils s'appellent. Bon, il est encore là lui, allez. Bouge ton gras de là. Allez. Parce que là vous voyez, il est à la sortie, donc on peut pas le taper. Allez, viens Indago. On va attendre qu'il bouge. Ouais d'accord, il a pas bougé son gras, il a juste disparu. Oh. Allez, bouge ton gras. Ah. Non, je voulais pas faire ça. Je sais pas si... Ah si, ça marche. Voilà. Ventre 3. Donc normalement, on va se retrouver au-dessus. Voilà. Ouais, je crois que lui... Alors, faut faire attention de pas tomber. Ah, quoi que je sais pas si c'est de ce côté qu'il faut que j'aille. Je ne sais plus. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai mis brasier. Ok. Je veux pas tomber, hein, parce que sinon... Non, on va pas dedans. Il me... Mais, punaise, c'est hallucinant. Il me bloque et il me pousse. Infâme créature. Oh là là. Ils sont pas durs. Non. Oh là là. Oh, je croyais que j'allais tomber. Ok, eux, ils sont tombés, en tout cas. Elle crève. Saloperie. Il est où? Ok, t'es derrière moi. Voilà. Ventre 2. Alors, on va essayer de voir hein, si c'est par là la suite. Je sais qu'il fallait que... Non, je crois pas que c'est par là la suite. C'est pas grave. Je préfère me les faire, comme ça je serai tranquille. Si je dois revenir. Ah si. Ah non. Non, non, en effet, c'est bien là la suite, je crois. Oui, mais faut pas que je tombe. Tombe pas s'il te plaît. Oh là là, ça me stresse. C'est bon, ils sont tous morts là. Je suis une doux moi. Ah ouais, ouais, ok. Donc c'est pas par là. Ventre 5. Ah si, c'est là.
Eh oui, je suis tombée. C'est un peu le labyrinthe, hein. Waouh, je suis où là? Ok. De toute façon, tant que je vois des nouveaux. Des nouvelles bestioles. Aïe! Tiens, on va se faire. Ouais, ok, la Killion raté complètement. C'est pas grave. Je vais me faire le bouboule. On va d'abord faire les petites bestioles qui nous embêtent. Voilà. Je regardais si j'avais bien mis en route mon chrono. Aïe. Oh, il y en a deux. Comment ça se fait? Je me rappelle plus qu'il y en avait deux. Attendez. Ah! Mais c'est quoi tous ces monstres? Je crois qu'on n'est jamais vu là encore. Mais oh là là, mais c'est quoi? Eh, c'est la fête ici. Hein. Ah, il me bloque. Alors, fuir. Tu vas mourir. Mais laisse-moi te. Aïe. Voilà. C'est la fête, hein? Il est où? Allez, tu vas mourir. Ok. Il fait très très mal. Allez, meurs. Meurs. Voilà. Phew. Au moins, c'est très rentable en point de vue argent. On a beaucoup, 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 beaucoup. Mais lui, il est pas mort encore. Point de vue argent, c'est très rentable. Hein. Donc là, on est dans le ventre 5. Ici. Ventre 2. Ok. Est-ce que c'est là-haut? Ventre 2. Ventre 6. Voilà. Allez. Faut que je suive un petit peu parce que sinon ça va pas le faire. Ok. Non, je sais pas du tout c'est que je suis. Ok. Pour remonter si je tombe. Ici. Là il y a un coffre en bas. Ok. Et en haut qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a des vermines. On va se les faire. Alors, je sens que je vais être perdue complètement dans. Parce que là, je ne connais pas du tout la suite. Il y a énormément de monstres, c'est juste hallucinant. Mais il attaque quoi là? T'attaques du vent, mon coco. Hein. Oui, je sais, je pourrais loquer, mais c'est tellement mieux sans loquer que je préfère manier moi la caméra. Mais. Parce qu'il loque tout seul. Sinon je peux loquer comme ça, mais voilà, après la caméra elle va devenir folle. Voilà, vous voyez les trucs de malade que ça fait la caméra. C'est bien pour les boss, mais pour les petits gugus comme ça, je préfère loquer moi-même. Ah! Encore! Mais c'est pas possible. Alors ici, il y a quoi? Ok, attendez, attendez, attendez. On va chercher le coffre en bas, là. Oh là là, c'est blindé en monstre. Voilà, toi tu vas mourir. Il est où l'autre? Voilà, parfait. Je ramasse. Voilà. Allez, donne-moi un petit peu de. Oh, nickel. En plus, il m'a donné une potion. Là, je devrais penser plus à détruire les jars ou les. Oh, c'est des tonneaux. À les péter parce que du coup, un bloc disparition. Ok. Alors là, ici, c'est quoi? Ventre 5, ok, on revient en arrière. Et en haut, ici. Oh. Ok. Il y a deux secondes, il n'y avait personne. Hein. Ok. T'excites pas, Coco. Ici, ventre 5, ok, alors là, ça va être un truc de. Ok. Et là, au-dessus. Ça donne où? Ok, ça doit donner en bas, je ne sais pas où. En tout cas, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est de là qu'on vient? Non, c'est pas de là qu'on vient, c'est. Oui, si, c'est de là qu'on vient, pardon. Donc, ventre 5. Oh, ça va être horrible! On est où là? Ah non, je suis pas venue là, il y a des coffres. Ok. Nickel, on est sur la bonne voie, les amis. Alors. Ah! Jamais tranquille, hein. Encore? Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, mais il y en a combien? C'est blindé dans ce monde, hein. C'est vraiment blindé.
Laissez-moi. Bon, vous saoulez. Ça va aller plus vite. Ok, le fail. Ok, le refail. Ils ont rien eu du tout. Allez, mourez. Surtout que ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas un truc pour enlever tous les bestiaux d'un coup, là. Voilà. Oh, mais laissez-moi prendre les coffres, tranquille. Parce que j'ai pas envie de repasser par là après si je dois repasser pour... Mais tu vas crever. Non, Gijou. Ok, il y a lui, il y a monsieur... Bouge ton gras. Dépêche-toi. Bouge ton gras. Voilà. Parfait. Il y en a encore? Non, je peux prendre mes coffres tranquillement. Mega Aether. Aether ou Aether, je sais pas comment ça se dit. Et ici, c'est quoi? Bloc de Sparathion. Petite potion? Non. Ouais, donc ici, c'est un cul de... Oh, je l'avais même pas vu, la marque Trio. Comme quoi, j'allais partir et je l'ai même pas vu. Allez, 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 c'est long. Ouh, des chouchous. Des chouchous. Plein de gros chouchous. Oh, j'aime les chouchous. Donc, ouais, donc là, c'est un cul-de-sac. Hein. On va entre 6, donc on va aller en... Je sais plus de quel côté. Donc, ici, on l'a fait. Donc, ça c'est celui-là, je vais le casser. Ok, on me donne de la magie, c'est parfait. Donc, normalement ici, je crois que je l'ai fait. Hein. Je suis en hauteur. Faites voir si c'est bien ça. Ah non, je suis tombée. Oh, non, je suis tombée, punaise. Je peux pas remonter avec ça là. Oh si, yes. Oh. Heureusement. Bon, si je retombe, je sais que je pourrais remonter. Aïe, il fait mal. Ils font mal. Non, mais si tu tombes de ce côté, par contre, ça va pas le faire. Ok, c'est génial, je suis tombée d'un côté qu'il fallait pas. Parce que là, je crois que j'ai pas de truc pour monter. Voilà. Donc par contre là ça m'embête. Est-ce qu'il y a une sortie ici? On va voir ce que ça donne. Entre deux, donc bon, ça ne nous intéresse pas. Et ici. Ventre 6. Allez, on va revenir. Ventre 6. Je suis désolée, hein, je découvre avec vous. Hein, je suis dans le même cas que vous. Ok, donc on est revenu ici. Donc c'est parfait, on va pouvoir revenir là. Ventre 5, parce qu'il y avait un passage, je crois. Mais vu que je suis tombée, il y a toujours les bestiaux à tuer. Ok, parfait. Je vais essayer de pas tomber. Non, à mon avis. Ah, oh, la vache. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, il doit y avoir des coffres. Voilà. Je préfère lancer un sort de magie pour pas tomber. Ah, il y a l'air d'avoir une suite là-haut. Je sais pas si j'arriverai à avoir de là. C'est ça le souci. Déjà, ça mène où ça? Ventre 4? Ah ouais, carrément. On va voir ce que ça donne dans ventre 4. Écoutez, je sais pas du tout où est-ce que ça va nous mener. Ah, ah. Yes. Pourquoi t'intéresses-tu encore à ce garçon? Après tout, je te rappelle qu'il t'a abandonné pour la Kiblée et pour ses nouveaux compagnons. Je ne m'intéresse pas à lui. Je le taquinais un peu, c'est tout. Oh, vraiment, c'est bon cela. Prends garde à la part de ténèbres qu'il y a dans ton cœur. Laisse en cœur la convoite. Mêlez-vous de vos affaires. C'est quoi ton problème? Tu cherches quoi? Tu te rends compte de ce que tu fais?
C'est drôle, j'allais te demander la même chose, Sora. On dirait que désormais, tout ce qui t'intéresse, c'est de te pavaner avec la Keyblade. Tu veux vraiment sauver Kairi? Oui, bien sûr. Mais quel jaloux. Oh, je suis sur une sauvegarde. Parfait. Eh ben, disons, ce monde est rempli de jaloux. Jaloux. Kairi. J'avais ce truc-là en tête, je sais pas pourquoi. Tente. Ok, on va plutôt mettre là. Hein. Voilà, parfait. Donc, il y a quelqu'un qui crie. Bon, je pense que c'est Pinocchio. Hein. J'allais dire ça ressemblait à un cri de fille, mais je pense plus que ça soit Pinocchio hein, quand même. Alors, attendez. Je sais que parfois, quand il y a ce point de sauvegarde comme ça, c'est que souvent on va avoir affaire à un potentiel boss. Donc je préfère m'équiper en conséquence. Ok, et Dingo, on va lui donner un potion plus. Méga potion, allez, on va se faire plaisir. Et méga aider. Ok, allez. Normalement, moi j'ai tous mes objets. Non! Oh là là, j'allais faire une bêtise. Non, c'est bon pour moi. Instinct, j'allais dire. Oh. Instinct. Pas de problème, je m'en occupe. Eh ben dis donc, je sais pas ce qu'elle a bouffé cette baleine. Wow. Non, à mon avis, il faut que je saute. Wow. Alors attendez, je vais utiliser un truc que j'utilise jamais. C'est un rafale. Voilà, parfait. Et il faudrait que j'utilise... Allez, pour le prochain boss, je vais utiliser une invocation parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce truc-là. Aïe. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça fait. Oh, il a pas l'air si difficile que ça, ce boss. Hein. Faut lui sauter sur la tête. Oh, où suis-je? Allez, promis, pour le prochain boss, je vais utiliser une invocation. Il fait mal, hein, quand même, hein. Mais il est bientôt mort, donc c'est parfait. Faut juste éviter ses petits bras. Ses petits bras musclés. Ses petits poings musclés, plutôt. Aïe. Par contre... Voilà, je préfère. On sait jamais. Même s'il reste peu de... Voilà. Youh ! Bah, il était pas si difficile que ça, celui-là. Hein. Je m'attendais à mieux. Dingo a appris trans. Ok, parfait. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, bon, bah, je pense que je vais pas avoir le choix de sauter dans ce trou. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hi-ha! Ah, j'ai vu une marque trio. Pinocchio! Pinocchio! Pitié, rendez-moi mon fils! Désolé, grand-père. Je dois étudier le fonctionnement de cette marionnette. Ce n'est pas une marionnette. Pinocchio est mon petit garçon. C'est plutôt bizarre. Un pantin avec un cœur. Je me demande s'il pourrait aider quelqu'un qui a perdu le sien. Attends un peu. Tu parles de Kairi? Elle t'intéresse maintenant? Donc, si j'ai bien compris, Kairi a perdu son cœur. Et ça sent le sapin. Alors, on va sauvegarder. Hop. Perfect.
Gepetto est... Oh, un coffre. Je l'ai même pas vu celui-là. Le groupe... Oh, vous pouvez activer les compétences de groupe dans l'option groupe du menu compétences. Cool. Alors, on va voir de suite ce que c'est. Compétences, groupe, super saut. Permet de sauter plus haut que la normale. Oh, avec plaisir que je l'active. Alors, attends, c'est qui a... Dingo, qu'est-ce qu'il a pris? Trans. Augmente la jauge de MP des invocations, permettant de les faire durer plus longtemps. Effet cumulable en cas d'activation multiple. Ah, je vais l'activer parce que je vous ai promis que le prochain combat, eh ben, on va l'activer. Alors, Gepetto. Gepetto. Pinocchio est, est tout pour moi. Je serais perdu sans lui. Ok. Bon, tiens pas la grappe, s'il te plaît, je vais partir. Merci. Alors, voyons voir. Oh yes, génial! On commence largement plus haut. Iha! Iha! Ah, mais du coup, je peux aller choper les coffres. Yes! Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool par contre. Oula! Ouvrir. Ok. Alors, il y a un coffre là-haut. Est-ce qu'il y a un coffre au-dessus de ce truc-là? Ah, je crois qu'il y a une marque trio, non? J'ai vu un truc. Non, mais s'il te plaît, la caméra. Hein, je vois pas. Je vois un truc s'illuminer, mais bon. Je suis pas sûre de mon coup. Alors là où il y a un coffre. Ah ouais, mais je peux pas sauter de là. Je ne peux point sauter. Voyons voir. Où est-ce qu'on peut sauter? Puis à mon avis, il faut que je suive. Comment il s'appelle? Oh, c'est génial de sauter comme ça. Hi-ha. Est-ce que je peux aller dessus ce truc là? Mais monte, punaise, puis la caméra. Ok. Ok. Oh punaise. What the... Ouais, mais sois pas débile non plus. Oh, mais te prends pas le... Mais non. Oh bon, vous savez quoi, j'abandonne pour lui. De toute façon, il faut que je trouve un moyen de passer pour là, là. Bah par là, tout simplement. Oh mais... Oh, bien sûr, si je me fail aussi, ça va pas le faire. Allez, grimpe. Voilà. Chouplo. Est-ce que je peux juste tester? Non. Bon, je prendrai le reste des coffres plus tard. Hein. Ah ouais, mais c'est par où, là, la suite? Ah, ok, par là. Ok, fail numéro 2. De toute façon, j'étais que par là. Hein. Je vois pas d'autre solution. Vu que maintenant, il a un saut de malade, lui. Allez, saute. C'est où? Allez! Ah, oh, ça fait peur. Il serait capable de tomber. Alors, ça nous mène où cette fois-ci? Gorge. Wow! Ah, c'est. Wow! Eh, hey, ne poussez pas. C'est super joli aussi. Ah, j'ai vu une marque trio par terre. Ok. Parfait. Elle ou la marque trio? Trio. Qu'est-ce que ça va donner? Juste des simples argent. Et je sais pas ce que c'est. Bout de mithril. Ok, nickel. Ah, ça me fait penser d'ailleurs que je suis pas allée encore dans le truc des coupeaux. Pour fabrication, je sais pas trop quoi. Donc faudrait que... Je pense qu'après ce moment-là, on va vraiment aller à la ville de traverse. Déjà pouvoir pour les trucs de coupeau et aussi la boutique coupeau. Qu'est-ce que je dis, les trucs de coupeau? Et aussi le monde de Winnie. Parce que c'est vrai que là, je sais même pas combien j'ai de pages. C'est génial le truc de sous, franchement. J'adore. Je suis complètement conquise par ce truc. Alors il y a des petits bugs hein, de l'émulateur. Hein. Wow, le qui s'excite. Ah! Bébé, où tu vas?
Ça c'est un truc qui est vraiment embêtant. C'est dans les combats, c'est qu'on se... Il est où ? Eh, coucou ! C'est dans les combats où on se... Wow. Bon, vous savez quoi ? Ouais, non, en fait, je vais pas... Ah, la vache, quoi. Oui, dans les combats, eh ben, on est obligé de tomber à chaque fois, quoi. Bon, dégagez, là. Attendez, je vois pas du tout où c'est qu'elle est la suite. À cause de ces misérables... Ça doit être en face. Dégagez, dégagez. Ne tombe pas, s'il te plaît. Oh là là, mais je suis poursuivie. Truc de fou, hein. Non, tombe. Oh. Toi, tu vas crever aussi. Bon, d'accord, tu te casses. C'est parfait. Estomac, c'est ça? Yes. Oh, eh ben dis donc. C'est le bordel. Riku, laisse partir Pinocchio. Une marionnette qui se fait prendre son cœur par les sans-cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi. Qu'en dis-tu, Sora? Unissons nos forces pour la sauver. Ensemble, on peut y arriver. Quoi? Tu préfères me combattre? Pour une marionnette qui n'a pas de cœur? Avec ou sans cœur, il lui reste tout de même une conscience. Une conscience? Tu ne l'écoutes pas, mais moi je l'entends parfaitement. Et elle me dit que tu es dans le mauvais camp. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Pinocchio! Pinocchio! Jimmy, ça va très mal. Oh, je crois que ça ira. Hein? Encore lui. Oh, le péteux, quoi. Je croyais que... Aïe. Je pensais vraiment qu'on allait affronter. Waouh, il a l'air de faire mal. Je pensais vraiment qu'on allait l'affronter. Je pensais vraiment qu'on allait l'affronter. Hein. Ok. Je sais pas du tout ce qu'il fait. On va en profiter. On va l'attaquer. On dirait qu'il est à moitié assommé ou je sais pas quoi. Ok, là je lui. Aïe. Ouh, faut pas que je tombe dans ça, moi. On dirait l'acide. Wow. Ok, de derrière ça sert à rien du tout de l'attaquer. Ça a l'air de rien lui faire par derrière. Mais alors par devant par contre il a... Aïe. Il a très très mal. Oh c'est cool, on dirait qu'il digère des... Ok, ça sert à rien d'aller derrière je t'ai dit. Hein. Ah. Il a très très mal. Wow wow. Ah, punaise, ça fait trop mal, ce truc-là. Aïe. Aïe. On va essayer de lui envoyer brasier. Oh, ça fait mal, brasier. T'aimes ça, hein? Oh, t'aimes pas ça. Ok, j'arrive pas à l'avoir. Là, il a eu mal. Là, il a eu mal. Aïe, 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 aïe. Ouh. Ouh, vite. Soigne-toi. Je vais mourir là quand même. Hein. Il fait très très mal. Là tout à l'heure je le traitais de tapette mais... Allez enchaîne, enchaîne. Ah ouais, je vous avais promis une invocation. On va essayer de la faire. Même si ça sert un peu trop à rien. Allez, je vais juste voir à quoi ça sert. Allez, Simba! À l'attaque, Simba! Juste pour la fin du boss. Ah, oh, il est beau! Il a trop la classe, Simba. Ah, oh, c'est trop classe. Ça me fait penser... Oh, tu veux pas l'attaquer, là?
Watcha-cha-cha-cha. Quoi, c'est quoi? Non! Oh, je me suis complètement fail dans les... Oh, les touches, quoi. Je vous jure. N'importe quoi. C'est du grand... Ah, attendez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le finir la prochaine fois, ce boss-là. Je vais juste enregistrer. On sait ce qui se passera. Ah, mais vas-y, monte là. Ah. Et faudra pas que je me faille dans les touches. Pas comme la mort. Vous savez à quoi vous attendre pour la prochaine fois. Donc, on fera le boss ensemble. Parce que là, ça fait déjà 30 minutes. Je voulais l'achever avant. J'aurais pas dû faire la vacation. Je l'aurais achevé simplement toute seule. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolée pour la faille, le fail sur la fin. Mais bon, ça arrive. Hein. Donc, je vous dis au prochain épisode. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Ça me fera toujours énormément plaisir. Surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Où c'est que je passe de temps en temps vous faire un petit coucou et répondre à vos messages. Et je vous dis... au prochain épisode, portez-vous bien et puis bisous.